Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur 48FM, il est 9h30. Aujourd'hui marque le premier jour de notre studio bus annuel. Et pour commencer cette semaine, votre journal vous est présenté par Lily Vaucountry. Bonjour Lisa, bonjour tout le monde. Dans l'actualité ce matin, les 15 km de Liège, ça s'est passé hier. Retour sur cet événement qui a rassemblé pas moins de 7000 coureurs. À l'occasion du 1er mai, de nombreux rassemblements ont eu lieu. Nous reviendrons sur les origines de la journée du travail. Enfin, ce lundi 2 mai marque la rupture du jeûne pour les personnes de confession musulmane. Nous vous parlerons du Ramadan. En ce dimanche 1er mai, les Liégeois et les Liégeoises étaient en forme pour les méga 15 km de Liège Métropole. Une édition 2022 qui revient en force au cœur de la cité ardente. Des étudiants de l'université ont eux aussi relevé le défi. Julia Dessy et Pauline Minet ont plongé leur micro parmi les coureurs. Cette année, nos courageux liégeois sont venus en nombre pour courir le long de la Meuse. La bonne ambiance était au rendez-vous et les performances aussi. Antoine Frébeau, étudiant à l'Université de Liège. J'ai fait le 21 en trail. Ah, c'était ma première course, donc c'était sympa. Après, on m'a annoncé que j'étais dans le top 20. Alors que certains arrivaient enfin, d'autres étaient sur le départ. On ne se fixe pas de chrono, on le fait pour s'amuser. L'objectif, c'est de les finir. Les kinés, eux aussi, étaient présents pour aider les courageux à se relaxer. On est là pour masser avant ou après la course, les coureurs qui sont volontaires de se faire masser. Et voilà, c'est dans un but de relâcher le muscle avant le départ ou vraiment après pour te détendre. La sécurité, elle, a été renforcée après l'incident qui avait coûté la vie à une étudiante. Des applaudissements ont été entendus en début de course pour lui rendre hommage. Cette année, des entraînements et des check-ups médicaux étaient proposés à l'avance pour le bon déroulement des courses. Les sentiers de 3, 7 et 15 km ainsi que les trails ont été foulés avec succès par nos valeureux liégeois, heureux de pouvoir recourir. Vous êtes jeune et vous avez la fibre artistique. Cet appel à candidature est peut-être fait pour vous. La Fédération Wallonie-Bruxelles décerne chaque année son prix Jeune Artiste. Objectif, récompenser le travail de jeunes créateurs évoluant dans le domaine des arts plastiques. Et cette année, c'est la catégorie peinture et dessin qui est mise à l'honneur. Pour participer, vous devez simplement avoir moins de 40 ans et avoir un lien avec la communauté française de Belgique. Notez que vous avez jusqu'au 20 mai pour envoyer votre plus belle œuvre. Et hier, c'était le 1er mai, la fête du travail. Alors pour comprendre l'origine de ce jour férié, il faut remonter en 1884. Des syndicats ouvriers déferlent dans les rues aux États-Unis. Objectif, imposer au patronat une limitation de la journée de travail à 8 heures. Aujourd'hui, chez nous, qu'en est-il? Alice Lacroix a suivi la journée d'un travailleur pour trouver la réponse. Je me lève vers 4 heures, je démarre à 5 heures, puis il y a la route pour aller jusqu'au dépôt, et puis on part sur chantier. Dimitri, 48 ans, ouvrier dans le bâtiment depuis 28 ans. On travaille jusqu'à 17, 18 heures, et puis après il y a le trajet du retour qui prend aussi une heure. C'est la journée normale, on va dire. Réveil à 4 heures, retour à 19 heures. On est bien loin des journées de 8 heures, pourtant inscrites dans la loi belge depuis juin 1921. Et les journées à rallonge, Dimitri en subit les conséquences. C'est pas évident de faire autre chose, mais le manque de sommeil peut jouer sur la concentration. Il y en a qui ont du mal, et puis sur le retour, ils dorment dans la camionnette parce qu'arrive un moment, il manque les heures de sommeil. Et chez nous, c'est arrivé une fois. Un collègue s'est endormi au volant et a percuté un camion sur l'autoroute. Plus de 8 heures de travail par jour, c'est quand même le quotidien de beaucoup de personnes. Une question se pose, quel impact sur la santé? Nous avons rencontré Erika Mertens, psychologue clinicienne et psychanalyste. Une fois de temps en temps de dépasser le quota de 8 heures, ce n'est pas très grave. Là où ça devient grave, quand ça devient une habitude, plus que 4 fois par semaine, ça peut avoir des conséquences sur la santé. Notre métabolisme va donc faire des signes, par exemple une augmentation de AVC, et aussi d'autres caractéristiques comme un recours à l'alcool, ou une augmentation de tabagisme. Nombreux sont les secteurs où travailler plus de 8 heures est une réalité, mais parfois, plus qu'un choix, il s'agit d'une nécessité.
Un reportage signé Mélanie Dury et Alice Lacroix. Si vous venez d'arriver, bonjour, vous êtes sur 48 FM, il est 9h35. Et on entre dans l'actualité internationale avec l'ouverture d'un centre d'accueil pour les réfugiés LGBTQI. Et c'est en Pologne que ça se passe, Marie. Et oui, Lily, certains réfugiés de la guerre russo-ukrainienne sont discriminés depuis leur arrivée en Pologne. Discrimination liée à leur genre ou à leur orientation sexuelle. Une bibliothèque queer s'est transformée en centre d'hébergement, paradoxal, vu l'hostilité de certaines villes polonaises à l'égard de la communauté LGBTQI. Alors pourtant, la Pologne a été l'un des premiers pays à montrer sa solidarité envers les victimes ukrainiennes de la guerre. Oui, mais il faut savoir qu'elle fait partie des pays européens les moins tolérants envers la communauté LGBTQI. Selon le Washington Post, plus d'une centaine de municipalités ont établi des zones interdites aux LGBT. Ces zones se multiplient depuis 2019 dans l'Est et dans le Sud-Est du pays, régions qui sont très catholiques. À savoir également que la Pologne, contrairement à l'Ukraine, n'autorise ni le mariage entre personnes du même sexe, ni l'adoption, pardon, par des couples homosexuels. Les réfugiés veulent maintenant rejoindre d'autres pays plus respectueux de leurs droits. Et aujourd'hui, c'est un jour tout particulier pour les 8,5 millions de personnes de confession musulmane dans le monde, n'est-ce pas Audrey ? Aïd Moubarak, joyeuse fin du Ramadan à tous les musulmans. Aujourd'hui, on célèbre la rupture du jeûne. Attention à l'amalgame, on a tendance à confondre Aïd el-Fitr et Aïd el-Kébir qui, elles, célèbrent le rituel de l'abattage de moutons. Seules les prières et les vœux prononcés sont le point commun de ces deux fêtes. Et on souhaite donc une joyeuse fin de Ramadan à toute la communauté musulmane. Et c'est la fin de ce Point Info sur 48 FM, il est 9h38. Merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à nous écouter tout le reste de la journée. À 13h, Zoé et Pauline reçoivent Anne-Sophie Nissen pour discuter entre autres des violences sexuelles sur le campus. Et on retrouve Marie à 17h30 sur la page Facebook du Studio Bus pour le journal du soir en direct du Grand Studio. Et cette semaine, à l'occasion du Studio Bus, nous vous présentons deux grands reportages par jour. Aujourd'hui, c'est Luca Caffarelli qui s'est penché sur un sport pas comme les autres. Qui a dit qu'on avait besoin d'une bonne vue pour jouer au foot ? À Liège, un nouveau club de cécifoot vient de voir le jour. Le foot d'aveugle est encore peu médiatisé en Belgique et pourtant, cette discipline tire ses origines du début du siècle. Mais pour en apprendre un peu plus, Luca s'est rendu au club du Standard de Liège où il a fait la connaissance de David, porteur du projet. Imaginez un monde où votre vie n'est pas régie par 5, mais bien 4 sens. Ce monde, c'est celui de David, qui depuis tout petit, voit la vie autrement. Enfin, voir est un bien grand mot. Ben moi, c'est Dortu David. J'ai bientôt 37 ans. Voilà, je suis visé-toit, je suis déficient visuel. Et je suis joueur de cécifoot et responsable de l'ASBL Voy. David, t'en reviens direct là. Voilà, axe, t'es déjà en 8, allez, frappe. Ouais, bon goal, entre les jambes. Malgré cette déficience visuelle, David n'a jamais été freiné dans ses projets. Le dernier en date, la création d'un club de cécifoot à Liège. Disons que je suis à la base du projet parce que j'étais déjà dans le monde du cécifoot depuis déjà une petite dizaine d'années. Et je trouvais ça un petit peu dommage qu'il n'y ait pas de club ici en région de Liège. Tous les lundis, David enfile sa vareuse et ses crampons et monte sur le terrain pour pratiquer cette discipline. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Alors, il faut savoir déjà que le cécifoot, c'est du football. Okay, c'est du football, certes, qui est adapté, mais ça reste du football, adapté de plusieurs façons. Donc, par exemple, le ballon est sonore. Alors non, ce ne sont pas les clochettes du Père Noël, mais bien quatre clochettes situées au centre du ballon, le rendant 35% plus lourd qu'un ballon traditionnel. Nous jouons sur un terrain réduit, donc un terrain de 40 mètres sur 20. Celui-ci est divisé en trois parties, donc en trois zones. Il y a le premier tiers qui est guidé par le gardien. Donc je rappelle, le gardien, lui, est voyant. La zone du milieu, où là, c'est le coach qui peut uniquement parler aux joueurs. Et alors, la troisième zone, donc qui est la zone d'attaque, où nous avons notre guide offensif qui est derrière le goal. Chez nous, en l'occurrence, c'est Cédric. Cédric Nuelens est éducateur et est entré dans le monde du cécifoot en 2016. Il joue un rôle primordial pour son équipe. Donc moi je suis le guide offensif, c'est-à-dire que je suis situé derrière le gardien adverse et que je tente d'orienter au mieux mes partenaires qui eux sont sur le terrain.
Je leur donne un maximum d'indications, mais c'est eux qui prennent la décision finale. Donc je leur donne la distance qu'il leur reste à parcourir jusqu'au goal. T'es au 10, axe, il est à 1 mètre devant toi. Maintenant, frappe ! Ouais, bon goal ! Et au-delà de l'aspect sportif, le Cécifoot met en avant un vrai côté social qui a particulièrement plu à Cédric. C'est le côté, je veux dire, un peu éducateur qui va parler, qui m'a attiré. C'est vraiment le côté social. Le handicap se remarque sur le terrain, mais en dehors du terrain, moi, je ne fais pas attention à qui est voyant, qui n'est pas voyant. On a besoin l'un de l'autre pour pouvoir former l'équipe. Poteau droit. Poteau gauche. Et axe. Axe. Une des clés du Cécifoot est la communication. Les joueurs doivent avoir les oreilles bien affûtées pour entendre les nombreuses informations sonores venant des quatre coins du terrain. Donc en fait, le joueur de Cécifoot, quand il n'est pas en possession du ballon, doit dire le mot « Voy ». C'est aussi le nom de notre association. Donc « Voy », c'est V-O-Y. Ça vient de l'espagnol et ça veut dire « je vais ». Celui qui est en possession du ballon ne doit pas dire ce mot « Voy » parce qu'en fait, il est signalé uniquement avec le son du ballon. Le Cécifoot est une discipline encore assez méconnue en Belgique. Peu de clubs osent investir le marché. Notre pays ne compte que 3 équipes, Charleroi, Anderlecht et plus récemment le Standard de Liège. Mais la situation change petit à petit. Le positif, c'est vraiment que nous avons la chance que nos 3 clubs sont vraiment soutenus par les clubs pro. Et ça, c'est vraiment un avantage quand même pour nous, ne serait-ce qu'au niveau visibilité. Et au niveau aussi, représentation pour les joueurs. À long terme et en big projet, on peut dire que ce serait bien qu'il y ait plus d'équipes, qu'on puisse avoir un championnat régulier comme il existe par exemple en France, où il y a, le territoire est haut, bien entendu, mais si on pouvait ne fût-ce qu'avoir la moitié des équipes de Pro League qui ont une équipe de Cécifoot, ben, un championnat digne de ce nom pourrait voir le jour, voilà. Oui, ça va, tu peux laisser. Allez, retour. Vas-y, t'as 4 mètres. C'est bon, 1 mètre, attention, voilà. Décale-toi sur ta gauche. Donc, je suis Alexandre Delré, surnommé Sim dans le milieu du Cécifoot. Je fais du Cécifoot depuis 2015 et je suis capitaine du Cécifoot Standard de Liège. Pour ces joueurs, le Cécifoot est plus qu'un sport. C'est une pause dans leur vie bien mouvementée. Alors, moi, personnellement, je dirais que c'est un plus dans ma vie. Parce que j'ai déjà fait un chemin de développement et de travail sur moi-même pour me permettre d'accepter, d'accueillir et d'assumer l'handicap que j'ai. Pour moi, c'est un défouloir, c'est un exutoire de tout ce que je peux vivre pendant la semaine. Ça m'apporte la même chose que tout sportif. Donc c'est déjà une activité qui me permet de me dépasser, qui me permet aussi de passer des bons moments entre amis. Et c'est toujours sympa de finir taper le ballon avec les potes le week-end. Quoi. À travers la pratique de leur discipline, chacun de ces joueurs montre comment un obstacle ne signifie pas forcément un frein à notre vie. Sur ce terrain vert, les difficultés auxquelles ils font face disparaissent, et seuls le plaisir et la compétition ressortent. À travers l'histoire de David ou encore d'Alexandre, vous avez vu que l'on peut vivre sans les yeux. Car comme le disait Antoine de Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Alors Lucas, merci pour ce reportage que tu as réalisé. Alors tout d'abord, comment as-tu découvert le Cécifoot ? Je suis dans le monde du foot depuis assez longtemps maintenant. Et un jour, du coup, on est venu me trouver pour me demander si ça m'intéressait de devenir éducateur dans un centre de Cécifoot. Et j'en avais entendu parler, mais seulement de nom, mais j'avais jamais réellement vu en fait cette discipline. Et donc, du coup, je me suis dit, vas-y, fonce, ça peut être hyper intéressant. Et en effet, j'ai pas été déçu. Quand je suis arrivé là, j'ai découvert un monde assez particulier où chaque personne, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire vraiment du staff jusqu'aux joueurs, ils m'ont impressionné, que ce soit par leur volonté, que ce soit par leur détermination à se battre dans leur discipline. J'ai vraiment découvert un monde. Je connaissais énormément le monde du football, celui-là beaucoup moins, et vraiment, j'ai pas été déçu.
Donc c'est un monde qui est très différent du foot classique, comme on pourrait dire. Bah, voilà, ici, comme il l'a dit, c'est assez différent dans le sens où les règles, certes, sont les mêmes dans les grandes lignes, mais il y a énormément de choses qui changent. Il y a beaucoup d'adaptations pour ces déficients visuels, mais des adaptations très bien pensées, justement, et qui leur permettent de pratiquer leur sport tout à fait normalement. Donc justement, tu parles d'adaptation et tu parlais aussi de communication dans ton reportage. Est-ce que les joueurs de CFOOT ont certaines compétences plus développées que d'autres joueurs classiques ? Bah, en parlant un peu avec les joueurs, donc il faut savoir que les déficients visuels ont différents niveaux de déficience visuelle, c'est-à-dire qu'il va y avoir des personnes qui sont totalement aveugles depuis la naissance, tandis qu'il y en a certains dus à une maladie qui sont devenus aveugles beaucoup plus tard. Et il m'expliquait justement qu'un aveugle de naissance a des aptitudes beaucoup plus élevées dans le sens où depuis sa tendre enfance, il a commencé à développer son ouïe, son toucher, donc c'est beaucoup plus facile pour lui, tandis qu'une personne qui, à cause d'une maladie, est devenue aveugle beaucoup plus tard dans le temps, et bien, par exemple, cette personne-là doit commencer beaucoup plus tard à développer justement les autres sens, parce que la vue est devenue obsolète. Donc oui, ils ont d'autres aptitudes que nous, tout simplement parce que la vie ne leur a pas laissé le choix. Et dernière question, est-ce qu'on verra le CCFoot aux Jeux Paralympiques de Paris ? Alors normalement oui, voilà, c'est en discussion depuis longtemps. Le CCFoot, il faut savoir qu'ils ont quasiment toutes les plus grandes compétitions, compétitions européennes, compétitions mondiales, donc vraiment toutes les compétitions se sont adaptées au CCFoot. En Belgique, il y a déjà eu de très grosses compétitions aussi. Et donc du coup là, pour les Jeux Paralympiques de Paris en 2024, c'est en cours et c'est en très bonne voie. Super, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, Lucas. Les inondations de juillet dernier ont marqué les esprits de chacun. Les sinistrés, les bénévoles et les services de secours étaient sur le pied de guerre. Et sur le terrain, il y avait aussi les journalistes. Comment ont-ils vécu cet événement marquant ? Marie leur a posé la question. C'est terrible parce que tu as ton micro, tu sais que la caméra tourne et la personne en face de toi a tout perdu, elle est en train de craquer complètement et tu es démunie, quoi. Du 14 au 16 juillet dernier, la région verviétoise a été frappée par des inondations sans précédent. Des dizaines de maisons touchées, des centaines de personnes sinistrées, la Vesdre ne leur a laissé aucun répit. Et pour certains, elle leur a même enlevé la vie. Sur le terrain, bénévoles et services de secours se sont relayés sans relâche. Les médias étaient également sur le pont pour vous informer. J'ai rencontré 3 professionnels des médias, Justine Ponce, journaliste pour Bel RTL et RTL TVI, Bruno Beckers, rédacteur en chef de la Meuse-Verviers, et Arnaud Quilès, caméraman à Vélia. Je leur ai demandé si les journalistes sont préparés à faire face à ce genre d'événement. Quand tu es sur le terrain, quand tu es dans le truc, tu réfléchis à ton reportage, tu réfléchis à ce que tu vas raconter, aux personnes que tu vas interroger, et donc tu es tellement dans ta bulle. Enfin, moi, je me suis jamais posé la question de est-ce que je suis prête ou pas. On fonce et on réfléchira plus tard, quoi. On fonce et on trouve les témoignages, on écoute ce que les gens racontent, on regarde ce qui est autour de nous et on essaie vraiment de s'imprégner de tout ça. Et c'est pour ça que être préparé à ça, non, parce que ça se joue vraiment sur le moment présent. Je pense que personne ne peut être préparé à ça, comme la région n'était pas préparée à ça à tout niveau, au niveau secours, au niveau politique, ça dépasse l'entendement. Comme on est habitué à couvrir aussi malheureusement des situations difficiles, dramatiques, on arrive à faire face, je pense. Je pense qu'au fur et à mesure, on se blade un peu. Si on se laisse complètement submergé par les émotions, on n'est pas en état tout simplement de travailler. Techniquement, ça se passe à peu près de la même manière que d'habitude, excepté le fait qu'il faut éviter de se mettre en danger. Mais psychologiquement, non, je pense que c'est un petit peu dur d'être préparé pour ce genre d'événement. C'est un peu comme le décès d'une personne, finalement, on n'est jamais vraiment prêt, peu importe autant qu'on essaierait de se préparer, avoir des gens qui souffrent et des endroits qui sont ravagés, on n'est jamais, en tout cas, suffisamment prêt, quoi qu'il arrive. Les inondations ont touché leur région, là où ils vivent, là où ils travaillent. Et même si c'est plus dur, connaître les lieux était un atout. Ça a été un énorme avantage parce que c'est ma ville qui a été touchée en premier. Et puis dans les jours qui suivaient, j'ai dû intervenir à Pepinster. Surtout, moi, j'étais surtout basée à Pepinster. Et le fait de connaître la région, de comprendre comment la Vesdre traverse toutes ces régions-là, de connaître les rues, les personnes, ça a été un
un énorme, énorme avantage, évidemment. Maintenant, ce qui a été difficile, c'est que, contrairement à, par exemple, aux caméramans bruxellois que moi j'avais avec moi, bien sûr, ils étaient aussi fort touchés par ce qu'ils ont vu. Mais il y avait une autre dimension avec moi, dans le sens où j'étais encore plus affectée par ce que je voyais. C'était difficile aussi de se détacher et de rester bien professionnel sans laisser l'affect prendre le dessus. Moi, je n'oublierai jamais quand je suis arrivé à Pepaster le deuxième jour et que je me suis dit « Ok, là, il y a un bateau qui passe devant moi avec des pompiers qui essaient de sauver des gens. » Et moi, je passais là-bas en voiture 3 jours plus tôt pour un sujet. Et là, il y a un bateau qui navigue là où je roule en voiture. Donc oui, c'est dur et c'est surprenant. C'est surprenant comme jamais. Effectivement, connaître la région a été un plus. Maintenant, étant finalement assez nouveau dans ce milieu, je ne suis pas encore celui qui connaît le mieux toute la région. Dans des cas pareils, on n'a pas beaucoup le temps de réfléchir à comment bien faire les choses. Je leur ai demandé si, avec le recul, ils changeraient quelque chose dans leur manière de faire. Est-ce qu'on ferait des choses différemment ? Je ne sais pas, parce qu'on est pris dans le feu de l'action, qu'il y a une telle masse d'informations qui arrivent avec les réseaux sociaux maintenant, ça arrive dans tous les sens. Moi, je ne prétends pas qu'on a été irréprochable, que tout a été parfait. Je crois que tout le monde a fait comme il pouvait. Mais je pense que tout le monde, tout au niveau ici professionnel, en tout cas toute l'équipe, s'est donné énormément et a fait du mieux qu'elle pouvait. Donc comme ça, je n'ai pas non à regret ou je ne me dis pas non, il y a telle chose qu'on a fait qu'on n'aurait pas dû faire. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'étais là pour que les gens voient la situation, pour que les gens puissent se rendre compte de la situation. Je pense que j'ai accompagné les journalistes du mieux que j'ai pu dans ma fonction de cadreur. On a fait ce qu'on a pu pour vraiment rendre compte de la situation, tout en évitant de prendre des images qui étaient non plus gratuites. Non, je pense pas que je ferais quelque chose de réellement différent. Être sur le terrain, dans le rush, faire le tri dans les infos, ce sont toutes des situations enrichissantes pour des jeunes journalistes. En tant que journaliste, c'est vraiment ce genre d'événement qui nous permet de progresser et surtout d'apprendre ce que c'est d'être sur le terrain. Moi, j'ai été extrêmement, je vais dire heureuse, même si c'était pas vraiment le terme, mais j'ai été extrêmement, contente d'être envoyée sur ces inondations parce que, dans le cas contraire, j'aurais été extrêmement frustrée de ne pas y aller. J'avais envie d'être sur le terrain, j'avais envie de raconter ce que les gens avaient vécu, ce que les gens, leur détresse et vraiment. Ça a été une expérience incroyable. C'était une expérience qui reste intéressante professionnellement parce que ça nous oblige à travailler dans le rush, dans la tension. Ça nous force à nous confronter à des situations qui sont difficiles. Ça nous rappelle que notre métier, au-delà de parler de belles initiatives locales, de choses positives, de la région, dans ces bons moments, de temps en temps, nous sommes obligés effectivement de parler de choses dont on n'aurait pas forcément envie de parler, de choses tristes. Mais ça nous rappelle aussi que ce métier est nécessaire pour véhiculer des moments positifs, mais aussi des moments compliqués, pour que les gens se rendent compte. Ces inondations auront marqué les esprits de chacun, avec parfois des souvenirs bien précis. Je me souviens très bien de cette dame qui était avec son mari. Ils avaient leur maison à Pepinster, vraiment dans le centre-ville, en bord de Vesdre. Et c'est eux qui sont venus me trouver d'ailleurs, c'est eux qui sont venus me trouver en me disant « on a tout perdu, c'est la catastrophe ». Donc je leur ai demandé de m'emmener voir leur maison et on est allé voir leur maison. Et leur maison, il restait un radiateur et les briques du mur sur lequel était fixé le radiateur. C'est tout ce qui restait de leur maison. Et donc la dame me montre ça et elle commence à pleurer. Et très honnêtement, j'ai pleuré avec elle parce que on reste humain, alors il faut rester professionnel, mais je pense qu'il y a un côté, le journaliste, c'est être proche des gens aussi, de les comprendre, et donc forcément, on ne peut pas rester insensible à ça. Il y a une personne que je connais qui, à un moment, qu'on a hébergé au moment parce qu'elle avait perdu sa maison, qui racontait, et alors là, on sentait que cette personne-là était très, très touchée, qu'elle avait vraiment eu beaucoup de mal, racontait que quand elle quittait sa maison, qui est située sur la route entre Verviers et Pepaster, qui était à Orzival, quand on passe maintenant, il y a encore énormément de maisons éventrées ou autres. En quittant sa maison, elle se retourne, elle voit deux voisines sur le toit de leur maison parce que l'eau avait monté, et puis elle voit le toit s'effondrer. Et à ce moment-là, quand elle nous dit, elle ne sait pas
ce que deviennent ces personnes. Et alors là, on se rend compte, oui, d'un peu de l'ampleur et du drame humain qui se passe. Oui, ça, c'est terrible. Ces pompiers qui étaient sur le bateau, que j'ai eu l'occasion de filmer, qui débarquaient, des personnes âgées, qui étaient bloquées dans leur maison, qui partaient au péril de leur vie sauver des gens. Et j'ai appris un peu plus tard dans la journée qu'ils s'étaient retournés et qu'eux-mêmes étaient en perdition au milieu de la Vesdre en crue. C'est-à-dire que les personnes qu'ils essayaient de sauver étaient très probablement mortes et qu'eux-mêmes étaient maintenant en danger, alors que vraiment ils étaient là pour essayer de sauver des vies. C'était pas facile non plus à entendre. Des personnes que j'avais filmées 2 heures plus tôt, qui risquaient tout pour sauver des gens, qui étaient maintenant eux-mêmes en danger de mort, quoi. C'est pas facile à entendre. Ce genre d'événement est important dans la carrière d'un journaliste. Les images, les témoignages, l'odeur, la boue, tous ces éléments resteront gravés à jamais dans leur mémoire. Marie, tu as réalisé ce reportage, merci. Alors, comment t'es venue l'idée de traiter ce sujet, de prendre le point de vue des journalistes? Est-ce que c'est parce que toi-même, tu es étudiante en journalisme? Oui, et puis j'ai réalisé mon stage de Master 1 pendant la période des inondations à Vidia, donc la télévision locale de Verviers. Donc j'ai eu l'occasion de couvrir tous ces événements. Et donc c'est au cours d'un sujet sur les aides psychologiques apportées aux sinistrés que ça m'est venu. Parce que... Donc j'ai été trouver une dame qui était sinistrée et elle m'a raconté en fait que son mari avait été coincé derrière une citerne d'essence dans sa cave et il était en train de se noyer. Et donc le voisin est venu casser la vitre du soupirail et ils ont réussi à le sauver. Mais quand on te raconte quelque chose comme ça, tu peux pas rester insensible. Et je me disais, mais qui est-ce que je suis pour lui demander de se remémorer et de raconter encore une fois ça? Donc c'est là que ça m'est venu l'idée, parce que moi c'était un peu après les inondations, donc je me dis que ceux qui ont couvert vraiment les jours même des inondations, ça devait être compliqué quand même. Donc quand on entend les témoignages et quand on entend même ton témoignage, on ressent la difficulté de traiter des situations qui sont compliquées comme celle-ci. Est-ce que le fait de vivre ça, ça t'a conforté dans ton choix de devenir journaliste? Je pense, parce que comme ils le disent dans le reportage, c'est ce genre d'événement, même si on n'a pas envie que ça se passe, c'est extrêmement formateur. C'est là qu'on apprend tout. En 3 semaines de stage, j'ai évolué d'une manière incroyable, parce que ouais, on n'a pas le temps, on est confronté à des émotions qu'on ne connaissait pas avant du coup. Et ouais, je trouve que c'est hyper formateur et ça donne envie de couvrir vraiment. Enfin, moi, je suis plus info locale et donc couvrir ce genre d'événement, oui, ça me conforte aussi dans l'idée de devenir journaliste. Merci beaucoup pour ce reportage. Alors, merci à vous deux d'avoir été là avec nous. On se retrouve demain après le journal de 9h30, toujours sur 48 FM, pour de nouveaux grands reportages. À demain et merci de nous avoir suivis.